Alors ça va être tout le temps comme ça maintenant? Dès qu'elle aura un message à me transmettre, à moi ou ma fille, ça va automatiquement passer par toi? Pourquoi tu parles? Bah, je sais pas, qu'est-ce que je fais là? Je voulais des nouvelles. Quand t'en aurais. Attends. Tu m'as fait venir ici pour que je te donne des nouvelles d'Angèle, ça? Ouais. Improbable. Je dois être la personne sur l'île à qui elle en donne le moins. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu t'inquiètes? Hein? T'inquiète pour elle, hein, ça. Eh ben, tu vois, apparemment, je suis pas le seul qui a fui. Sérieusement, tu veux pas mettre ton ego dans ta poche deux secondes? Pardon. Autant pour moi, c'est... pas ce que je voulais dire. Moi aussi, je flippe. Putain, ouais, je m'inquiète. Et franchement, j'aurais préféré qu'elle soit... qu'elle soit restée en contact avec toi plutôt que... plutôt que de disparaître sans donner de nouvelles à personne. Ouais, voilà, ouais. Dis-moi un truc. T'aurais pas entendu parler d'un certain Manu, par hasard? Pourquoi? Bah, il se trouve que c'est un des étudiants de la promo d'Angèle. Elle m'en a parlé une fois ou deux et... je sais pas, je pensais que peut-être que lui saurait où il se trouve. Ce serait pas lui ton Manu? Ils ont l'air proches, hein? Je savais qu'elle avait envie de vivre le grand frisson et te donner une bonne leçon. Tu la regardais plus comme avant. Mais je pensais pas qu'elle quitterait sa famille. Je pensais qu'elle allait se ressaisir. Ça va trop loin, Ruben. Je vais t'aider. Date de quand, cette photo? Quelques jours. Et elle a été prise où? Nathalie, tu m'aides ou pas? Elle a été prise où?